Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto sur le Raid Hardcore qui vient tout juste de sortir. Et on va voir ensemble quels sont les nouveaux changements, les nouvelles stratégies à adopter dans ce nouveau raid. On commence bien sûr par l'ouverture du raid. Il n'y a à ce niveau-là pas de changement majeur. Le boss est simplement un petit peu plus résistant. Nous avons mis 3 tours à le DPS lors de la sortie du raid. Donc c'est juste le principal changement sur l'ouverture du raid. On continue avec le premier boss, la salle de Vosik. Il y a quelques changements dans cette salle, c'est peut-être les plus surprenants dans le raid. Dans un premier temps, vous verrez qu'il y a toujours des zones safe dans cette salle, que vous en avez toujours deux par tour, mais qu'il y a cette fois-ci des demi-portes en travers de ces zones safe et qu'il va falloir faire une petite glissade pour pouvoir y accéder. Un petit peu plus technique, vous aurez à présent 6 reliques à jeter dans le boss pour le DPS pour pouvoir enlever complètement son bouclier. Si vous êtes bien organisé et que votre équipe ne meurt pas trop, vous devriez pouvoir gérer ces 6 reliques. Dans l'idée, chaque joueur prend une relique et vous essaierez de faire en sorte que l'équipe lance ses reliques de la façon la plus synchronisée possible. Pour le reste, il y a toujours un seul et unique capitaine qui va spawn, et concernant les écrans qui sont derrière le boss, ils sont un petit peu plus gros avec un petit peu plus de résistance, du moins c'est l'impression que nous avons eue. Ce sont les principaux changements dans cette salle. Aucun changement en termes de stratégie, il faut lancer les reliques pour enlever le bouclier du boss et revenir au milieu de la salle pour le DPS. On continue avec le combat contre le char. Donc là, il y a une grande surprise qui vous attend juste avant d'entrer dans le char. Donc l'ouverture se fait de la même façon. Il faut éliminer les mobs, avancer jusqu'au bout du pont. Le boss va alors s'activer. Il faut éliminer ses yeux et le cœur du boss pour pouvoir y rentrer. Par la suite, il y aura les skiffs qui vont spawn, les mobs qui vont spawn, les mines. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Vous faites votre étape de la même manière que dans le raid normal. Sachez qu'il y a simplement un petit peu plus de délai pour réaliser cette étape parce qu'il y a tout simplement un ténébrion qui vous attend au pied du boss lorsque vous amenez les différentes pièces dans la machine. Donc il va falloir coucher le ténébrion et même l'éliminer. Vous avez le temps, largement le temps de l'éliminer. C'est, je pense, beaucoup plus simple de l'éliminer complètement, mais vous pouvez tenter de passer en ayant couché une première fois le boss si vous êtes assez rapide et s'il n'y a pas de mine pour vous ralentir. Nous avons opté pour la stratégie de le tuer complètement et nous avons, même en utilisant cette stratégie, réussi à faire le défi du carnet qui consistait à réaliser cette étape en moins de 6 minutes. Donc croyez-moi, vous avez largement le temps d'éliminer le ténébrion afin de passer plus sereinement. Et enfin, pour terminer, petit conseil stratégique à cette étape, je vous recommande de procéder comme suit. Pendant que le groupe rapproche les 3 pièces au plus près du char, un joueur se détache du groupe afin de tuer le boss qui se trouve sur celui-ci. Pendant ce temps-là, les 5 joueurs temporisent, pourquoi pas à l'aide des bulles de titan. Et une fois que le char est ouvert, toute l'équipe peut alors s'occuper d'éliminer complètement le ténébrion afin de pouvoir passer tranquillement avec les 3 pièces et de les placer dans le char. On passe donc à la dernière étape en 2 phases, le boss final, Axis. Pour la première étape, aucun changement si ce n'est la présence de tourelles, donc c'est vraiment la seule difficulté. Les tourelles se désactivent d'elles-mêmes, mais si vous voulez être plus en sécurité, n'hésitez pas à tirer régulièrement dessus, elles s'éliminent très facilement et cela vous permet d'être plus tranquille pour cette première phase. Deuxième phase, un petit peu plus de changements, mais comme je vous l'ai dit précédemment, les gros changements sont plus visibles dans la salle de Vosik, puisque sur le boss final, les seuls changements que vous allez avoir à affronter sont la présence de reliques supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez devoir faire jusqu'à 7 DPS à la relique sur le boss, mais pas de panique, puisque vous avez jusqu'à 9 serviteurs qui vont spawn, soit 9 possibilités de reliques à lancer sur le boss, donc vous avez largement le temps et les possibilités pour pouvoir DPS le bouclier du boss. En ce qui concerne la stratégie, aucun changement, il y a toujours les TP, les bonus d'intensité, bref, aucun changement au niveau technique sur le boss final. Dernière précision, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons vraiment ce raid hardcore très simple, les tourelles qui étaient présentes lors de la première phase de DPS d'Axis ne sont pas présentes en revanche lors du deuxième tour, ce qui nous a grandement simplifié la tâche. Donc comme vous le voyez, la stratégie de ce raid hardcore est assez simple, puisqu'elle tient d'ailleurs preuve en est en une seule et unique vidéo. En ce qui nous concerne, nous sommes venus à bout de ce raid hardcore le premier jour de sa sortie en seulement 2h30, ce qui je trouve est assez light pour un raid hardcore. On s'attendait à un petit peu plus de difficultés. Maintenant, on attend comme convenu les défis, les challenges qui, je l'espère, vont un petit peu pimenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à la partager. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos, d'autres astuces sur Destiny. Ciao tout le monde !